Eh bien, j'aimerais remercier mes collègues d'être venus à l'heure, au bon moment, au bon endroit. Je m'appelle Ian Dolphin, je suis directeur exécutif de la Fondation Apéréo. Souvenez-vous, si vous voulez poser des questions, d'utiliser Twitter avec l'hashtag Apéréo, Open Apéréo 2021, ou en utilisant le chat sur l'écran devant vous. Ces 5 dernières années, la démarche d'incubation d'Apéréo a permis de certifier 9 nouvelles communautés logicielles en matière de durabilité. Cette démarche permet à Apéréo d'atteindre la plus grande partie de ses objectifs. Donc, il nous a permis intéressant d'avoir une session dédiée à cela. J'ai avec moi aujourd'hui Benito González, architecte logiciel d'Unicon, Dédé Orican, directrice outils d'éducation du Collège Maris, Sam Lipan, directrice opérationnelle des outils d'apprentissage de l'Université du Cap. Je m'appelle Benito González, je suis impliqué dans les logiciels ouverts depuis une quinzaine d'années, 2005 en fait, notamment uPortal, CAS, Sakai dans ses premiers jours, les différentes versions de uPortal. Tous ces aspects m'ont inspiré encore davantage pour m'engager dans les démarches d'incubation, notamment celle d'Apéréo. Dédé, je m'appelle Dédé Orican, je suis directrice des outils d'enseignement à l'université Marist College à New York. Je fais partie de la communauté logicielle depuis une quinzaine d'années. Je suis mentor au sein de la communauté Apareo, pardon. Sam Lipan, bonjour à tous. Je suis Sam Lipan. Je suis directrice opérationnelle outils d'apprentissage à l'Université du Cap. Je travaille depuis 7 ans dans la communauté Apareo et à l'université, nous menons tout un tas de projets Apéréo. Nous pilotons également un certain nombre de projets dont l'interprète n'a pas entendu le nom. Il s'en excuse. Un grand merci. Nous n'avons que quelques diapositives pour vous donner un petit peu de contexte sur la démarche d'incubation que je vais passer en revue. Ensuite, nous aurons quelques échanges sur l'incubation qui pourra inciter certains d'entre vous à se lancer dans la démarche. Tout d'abord, pour qu'on se comprenne bien, la démarche d'incubation de la Fondation Apéréo joue un rôle significatif pour structurer les étapes du parcours allant d'une innovation à un modèle durable pour un projet logiciel ou pour une communauté. Je vais commencer par ce que n'est pas l'incubation, pour qu'on soit clair sur ce que cela n'est pas. Il y a un certain nombre de modèles économiques qu'on peut déployer sur les logiciels open source. Notre démarche d'incubation n'est pas un fournisseur de modèles économiques. Nous ne sommes pas prescriptifs. Nous encourageons les acteurs à explorer différents modèles économiques, mais ce n'est pas un modèle économique. Ce n'est pas prescriptif, c'est-à-dire cela ne vous dit pas, il y a 10 étapes à suivre pour atteindre la durabilité de vos logiciels. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Ce n'est pas non plus un générateur de bénévoles, de volontaires. L'idée, c'est d'apprendre aux gens à pêcher, pas de leur fournir du poisson. Donc, nous vous invitons à contribuer, à être des amis critiques, à être des voix externes, à apporter des idées, des points de vue différents. Et finalement, cela va sans dire, les démarches d'incubation ne sont pas magiques, ils ne sont pas pour tout projet logiciel à tout stade de leur développement. Si un projet est dans une démarche d'incubation et n'est pas certifié, ce n'est pas forcément mauvais. Si on se rend compte que un morceau du logiciel ne répond pas à un besoin en matière d'enseignement supérieur, alors on a économisé de l'argent pour un département ou un service. Alors qu'est-ce que c'est cette démarche d'incubation? C'est une façon d'accéder à de l'expérience collective, à la fois en termes de réussite et d'échec. Et ceci est fourni sous la forme de guidance, de notes, de lignes directrices. Encore une fois, les mentors, les volontaires d'incubation sont des amis
famille critique. Ça peut économiser beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts lorsqu'on parle de projets impliquant des partenaires multiples. Je ne sais pas si vous avez déjà été impliqué dans des projets impliquant des multiples établissements. Parfois, on perd du temps dans les débats, les réflexions, par exemple, la gestion des ventilateurs dans une université. Mais encore une fois, cela donne des lignes directrices structurées en termes de gestion de droits de propriété intellectuelle. Donc, Apereo, c'est une entité juridique neutre pour protéger, pour partager les informations et les droits de propriété intellectuelle. Donc, les lignes directrices qu'on donne, les recommandations, sont à la fois parfois dures, parfois molles, parfois dures. Un exemple, sur les licences, on est relativement dur en termes de recommandations. Nous voulons qu'il y ait des accords portant sur les contributions individuelles ou entreprises. Donc, en affirmant la manière dont les droits sont partagés, en délimitant bien les droits, mais également l'APREO a des droits irrévocables sur les modalités de partage des contributions, à la fois de la perspective du projet et de la perspective des adopteurs. Un petit peu moins de dureté en termes de recommandations, nous avons un certain nombre d'outils qui permettent d'explorer différents modèles qui faisaient partie du réseau GISC et qui maintenant s'appelle Home Source Software Watch de l'Université d'Oxford, des outils qui permettent d'explorer différents modèles. Apereo n'insiste pas sur un seul et même modèle de gouvernance. La gouvernance doit exister, elle doit être au service du projet, on doit se mettre d'accord, mais on n'a pas un modèle unique que nous forçons. Donc, encore une fois, il est question d'inciter à l'exploration, d'inviter, d'encourager à l'exploration. Recommandation probablement plus douce, plus molle. L'incubation, c'est de la communauté. On apprend les uns des autres. On fait l'expérience en ce qui concerne les autres projets. La démarche est structurée en étapes avec une phase de pré-incubation éventuelle où des projets potentiels passent par les griffes d'analystes avec des avis, des intérêts pour être un projet qui est vocation à être sponsorisé. Il faut deux membres du réseau de la Fondation Apereo, deux membres qui lèvent la main et qui disent « nous pensons qu'un tel projet vaut la peine ». Et ceci a toujours été pris très au sérieux. La demande doit être approuvée par le Incubation Working Group, c'est-à-dire le groupe de travail en matière d'incubation qui est directement rattaché au conseil d'administration de la Fondation Apereo. Nous allons utiliser de façon sage et précautionneuse tous les moyens financiers de la Fondation Apereo. Nous utilisons la démarche d'incubation qui est écrite, qui est sur le web. Vous avez un lien pour évaluer de façon efficace l'état d'avancement d'un projet. Nous élaborons un calendrier en consensus avec les acteurs du projet, mais ce calendrier n'est qu'indicatif. On ne vous montre pas la sortie si vous dérivez de quelques mois. Nous nommons des mentors du groupe de travail de la démarche incubation et nous organisons des réunions de révision qui varient en fonction des projets. Il y a une diplomation, graduation en anglais, lorsque les critères de la démarche d'incubation sont satisfaits. Donc, en gros, un projet bénéficie de la démarche en ayant accès à une vaste expérience, des avantages concrets. On ne perd pas du temps sur la question des droits intellectuels. Il y a un système, une démarche qui est facile à adopter. La démarche démontre également les actions qui ont été menées comme la gouvernance claire, comme la propreté des droits, les droits de propriété intellectuelle. Et ça, c'est important lorsque vous œuvrez et que vous ayez l'aval des acteurs de la communauté logicielle. Alors, en termes d'étapes prochaines, nous
Nous avons une démarche qui est basée sur l'expérimental, sur l'expérience. Elle n'est pas figée dans le marbre. Nous avons des revues et des révisions périodiques et régulières de la démarche. Nous la rafraîchissons, nous l'actualisons. La pandémie, bien entendu, a ralenti les efforts d'incubation à un moment où, en fait, on aurait dû être en capacité de l'accélérer. Donc, il y a une tension entre le besoin des établissements individuels et l'ensemble du secteur. Et c'est un fait. Nous l'avons observé. Il y a un effort volontaire réduit dans ce type de période du fait des priorités fixées par les établissements. Et il n'y a pas de surprise du fait de la situation pandémique ces 18 derniers mois et les problèmes rencontrés. Mais ceci pose des questions, à savoir est-ce que nous voulons traiter les problèmes de façon inclusive avec des solutions qui pourraient être un nombre accru de contenus en self-service, peut-être la possibilité de recruter des mentors. Peut-être que cette session vous intéressera pour devenir vous-même mentor ou suggérer des mentors à nommer. Et maintenant, je pense qu'il est temps de donner la parole à certains des mentors de la démarche d'incubation et afin qu'ils nous donnent leurs perspectives et leurs expériences. Donc, je vais donner quelques secondes pour qu'on mette une vidéo en ligne. La vidéo des mentors, donc. Alors, faisons cela dans l'ordre inverse du début. Sam, qu'est-ce qui vous a amené à devenir mentor en incubation? Qu'est-ce que vous avez appris? Quels enseignements vous avez tirés d'un point de vue personnel? Eh bien, mon intérêt dans les logiciels open source remonte à avant de rentrer dans l'enseignement supérieur. Je travaillais dans les systèmes d'information géographique et il y avait des projets très lourds dans lesquels j'étais impliqué à l'époque. Et ma passion pour l'open source est venue de l'expérience que j'ai eue avec les groupes d'incubation. Les groupes d'incubation, c'est fondamental dans la démarche d'Apéréo, mais ça aide en fait l'ensemble de la communauté. Nous avons déjà une communauté très forte, mais il y a encore davantage de potentiel qu'on pourrait exploiter. Ce que j'ai gagné, c'est d'avoir pu être impliqué avec d'autres volontaires qui sont aussi enthousiastes que moi-même et qui contribuent à ces changements. Donc, j'ai adoré faire partie de ce groupe de mentors dans la démarche d'incubation. Un grand merci, Didi Hurricane. Eh bien, je peux dire que je travaillais dans l'assurance qualité. J'ai répondu à un email appelant à se proposer comme mentor. Ce que j'ai trouvé chouette dans la communauté open source, c'est qu'elle est très accueillante. J'ai lu la présentation de la Fondation Apéréo sur l'incubation. Le document parlait de la démarche. Je ne savais pas si j'allais pouvoir aider parce que je ne connaissais pas grand-chose, mais j'avais envie de participer et d'apprendre. Donc, j'ai été accueilli par certains des membres de la Fondation Apéréo et des mentors sur place. J'ai même pu suivre certaines de ces personnes en shadowing. J'ai énormément appris. Un grand merci à Ian Dolphin qui m'a permis d'être son shadow, d'être son ombre et d'apprendre de ce qu'il faisait, ce que j'ai appris. Alors, cela m'a donné l'occasion d'être en contact et de m'exposer à la communauté Apéréo, et je ne m'y attendais pas. Par le passé, on travaillait en silo, on travaillait dans un projet. Quand on participe à une conférence, c'est super, c'est fantastique, mais être en capacité de rencontrer des gens qui contribuent et ou qui font avancer un projet, ou même avant, en amont du projet, de connaître les personnes, les acteurs de ce projet, et
Et même le projet de monter cette conférence Open Aperio 2021 que nous avons aujourd'hui m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes. Et comme je dis, la formation que cela m'a donnée, je crois que c'est Ruin et Scott Wilson de l'université d'Oxford, m'ont aidé énormément pour comprendre le modèle de gouvernance, les éléments de licence, de logiciel, la perspective de la communauté, les feuilles de route au quotidien qu'ils suivent. Ça a été fantastique pour apprendre des compétences de mener de projet. Merci Didi Benito. Eh bien, l'expérience que j'en ai en ce qui concerne le développement logiciel et le codage, en fait, donc c'est assez restreint, mais j'ai tendance à interagir de façon naturelle avec les acteurs et les projets open source ont énormément de choses à offrir bien au-delà du code source. Et c'est ça qui m'a amené à la démarche d'incubation. Je faisais partie d'un groupe d'incubation dans différents projets avant même de rejoindre la Fondation Apéréo et c'était fantastique d'apprendre sur les mécanismes de gouvernance, sur la façon dont la communauté est essentielle dans un projet open source. Et ça m'a donné l'opportunité de rejoindre le groupe de travail de la démarche incubation de la Fondation Apéréo. Et ça a été une décision simple de ma part, hein, un choix très simple qui m'a permis de continuer d'interagir avec des gens fantastiques et avec cette communauté extrêmement solide. Et c'est très enthousiasmant. J'adore le code, le codage. Je suis heureux d'y passer une demi-journée, mais l'autre demi-journée, eh bien, j'interagis avec ces gens fantastiques. Regardez les sourires qu'on voit là à l'écran. C'est ça qui rend nos efforts extrêmement précieux. Didi, tu as parlé du processus d'intégration. Comment est-ce que ça a fonctionné avec toi? Comment est-ce que tu as accueilli Alors, j'ai utilisé des slides, des diapositives qui avaient été élaborées lors de cette session d'intégration que j'avais eue. Je crois que ça s'appelait OSS Watch, la session d'intégration que j'avais faite. Je ne m'étais pas rendu compte de ce qu'il fallait pour commencer un projet. Et je n'avais pas beaucoup d'idées des logiciels, même si je savais un petit peu. Je ne sais pas coder comme Benito, mais comment est-ce que je peux construire un projet? C'était les questions que je me posais. Et lorsque j'étais invité à rejoindre la communauté, donc, mon questionnement, c'était de poser des questions que les autres n'auraient peut-être pas. Donc, le premier projet, c'était OpenAquella, et ça m'a permis de voir comment le projet évolue et continue d'évoluer. En étant un mentor, ça m'a appris le mécanisme de gouvernance, mais ça m'a permis également d'apprendre à structurer les différentes étapes d'un projet en posant des questions. Ah, il semble manquer un truc ici. Avez-vous pensé aux règles qui permettrait à quelqu'un de dire comment est-ce que je peux être un mentor, comment est-ce que je peux prendre davantage de responsabilités dans le projet. Donc ça a étendu effectivement mon champ de réflexion. Ça m'a permis également de rencontrer Eduardo et Jagard et des gens et les gens d'Antax, pour ceux qui les connaissent, ils ont des vidéos qu'ils ont postées sur Trisky, mais ce sont des éducateurs fantastiques, uniques. Je ne les aurais jamais rencontrés si je n'avais pas fait partie de cette démarche. Maintenant, je me pose des questions comme, ah tiens, cette communauté logicielle sur tel secteur, comment est-ce qu'ils évoluent? Et le partage d'idées, c'est le partage d'idées. Comment partager des idées, ça a été un de mes grands enseignements. Benito? Eh bien, voilà, désolé, je n'avais pas allumé mon micro. C'était quoi la question? Le processus d'accueil, comment est-ce que tu as été accueilli? Comment est-ce que tu as été intégré? Et quels enseignements tu en as tiré? Eh bien, je suis tout à fait en accord avec ce qu'a dit Didier. OSS Watch contenait tellement d'informations précieuses. Mais j'avais déjà un contexte, un background de mon côté. J'étais ingénieur logiciel, mais ça m'a permis de renforcer tout un tas d'idées, de concepts. Et ça m'a
permis de renforcer mes connaissances en termes d'incubation. Je ne vais pas parler d'écueil, mais il y a des domaines où une équipe va se focaliser et d'autres domaines, d'autres zones où ils auront besoin d'un petit peu plus d'aide, un petit peu plus de support, et c'est là où on intervient. Avec cette connaissance, ce background qu'on a en termes en tant que de mentor, les former on identifie rapidement les grands points, le shadowing qu'on a fait également. Donc, on fait la même chose. On fait profiter de notre propre expérience. Voilà ce que ça m'a apporté d'être mentor. On a vu les choses ailleurs et on peut les partager. Autant que de besoin avec les acteurs du projet, sans les submerger d'informations, mais nous avons effectivement des informations de très haut niveau, enfin très synthétiques, très, très concrètes, la vision aussi des modalités de travail d'autres groupes, d'autres communautés. Ça nous permet effectivement d'aider les autres de façon concrète. Sam, qu'en est-il de ton intégration? Comment est-ce que ça t'a permis qu'est-ce que tu as appris? Encore une fois, beaucoup de choses similaires par rapport à ce qu'ont dit Benito et Didi. L'intégration pour moi s'est très très bien passée. La possibilité de faire du shadowing auprès de quelqu'un, comme a dit Didi, au début, je ne connaissais rien de l'incubation. Et on apprend tout à partir de rien. De participer à des sessions où il y a des mentors déjà expérimentés, on apprend à leur contact, en les écoutant, en les regardant, et avoir le soutien et le support de personnes comme eux, sur lesquelles s'appuyer quand on a des questions. J'ai également appris des discussions que j'ai eues, des réflexions que j'ai vues, des nouveaux projets que j'ai vus émerger, la façon de les évaluer avec la bonne distance. Donc, comme l'a dit Didi, ce réseau de projets qu'on observe, c'est fascinant. C'est super, dit Yann. Il y a une question très ouverte que je vais poser. Et que vous n'allez probablement pas pouvoir répondre dans notre petite séance, mais il est clair que l'incubation a ralenti pendant l'incubation, alors qu'on en avait un énorme besoin pendant cette période. Comment est-ce qu'on peut faire les choses dans des périodes telles que cette pandémie qui pourrait revenir à nouveau en l'avenir? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Et on va commencer avec Benito, dit Yann. Allez, Benito. Eh bien, c'est une question difficile. J'y ai réfléchi. Et pour moi, il est important d'être prêt avec des contenus de self-help en self-service et également de pouvoir faire un peu de plaidoyer, un petit peu de persuasion. Les acteurs, les mentors du groupe d'incubation ont la connaissance de tous les aspects, des deux côtés de la ligne, des informations synthétiques dont on a besoin pour lancer les choses, pour démarrer les projets. Et de l'autre côté de la ligne, on partage ce que c'est que d'être un mentor et l'intérêt également d'avoir des expériences, des compétences à partager, à contribuer dans tous ces domaines. Si vous êtes intéressé de l'open source et que vous voulez être mentor, on va vous faire monter en puissance. On a les kits, les vidéos, on va vous aider. Vous pourrez faire du shadowing avec certains d'entre nous pour construire un petit peu la capacité et la sensibilisation et la connaissance au sein de la communauté. C'est un processus, une démarche d'incubation. On a besoin également et on a besoin de vous aussi. Merci. Sam, réflexion sur ce sujet? Oui, clairement le plaidoyer, l'advocacy en anglais. Et même pour la préparation à cette conférence, c'était intéressant parce qu'on est revenu sur les projets réussis par le passé et qu'est-ce qu'on y trouvait comme facteur de réussite, les reprendre, affiner, renforcer certains points et identifier les avantages pour les acteurs. Et comme des éléments de projet qu'on peut rationaliser, le plaidoyer, l'advocacy en termes de sessions d'information, davantage de contenu, de communication, d'information, d'analyse. Et effectivement, après la pandémie, se préparer à la période post-pandémie.
lorsqu'on aura effectivement un peu de temps pour réfléchir à comment renforcer, alimenter toute la boucle de progrès continu. Eh bien, Didi, ça m'a tout dit, je crois, mais je suis d'accord qu'on a besoin de faire du marketing sur cette opportunité d'incubation. Pour tous ceux qui pourraient être intéressés de nous rejoindre et vis-à-vis des groupes existants également, puisque chaque groupe qui existe connaît d'autres groupes, d'autres personnes, peut-être qu'ils ne nous connaissent pas, sauf lorsqu'on est dans des séances plénières comme celle d'aujourd'hui, mais je pense qu'on peut effectivement mettre en place et rendre accessibles des outils en self-service et fragmenter peut-être un petit peu. S'intéresser effectivement aux plus petits projets qui pourraient être intéressés à tirer parti de notre contribution. Donc, Yann reprend la parole à nouveau. Je ne vois pas de questions. Y a-t-il des questions à poser à notre petit groupe? Alors qu'on attend une ou deux questions, je vais simplement vous dire qu'il y a un atelier plus tard aujourd'hui. Il va y avoir la Time Machine, un atelier à 20h heure française sur les systèmes de gestion d'apprentissage. Et il y aura un bingo, une activité de bingo à 21h30 heure française. Donc, voilà, des activités très intéressantes et un petit peu mystérieuses. L'atelier sur la Time Machine, la machine à remonter le temps et le bingo. Voilà, pas d'autres questions. Donc, je voudrais remercier les participants à cette séance, mes collègues qui sont intervenus et nous vous donnons rendez-vous à la séance suivante à 20h, LMS Time Machine, l'atelier, et à 21h30 pour le bingo. Au revoir.